Good morning, Aleidan, les suivants aujourd'hui, le Lonish Matav Ramadechai Ben Israq Befeni Dura Bat Esther, ainsi que le Rfouat Amram Ben Masoudi, si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maserhat et Vomapere Kret, Mishnah et. Asaris Locholetz Velomiyabem, Vechen Ailonit Locholetzat Velomit Yabemet. Asaris Shechalat Levimto, Lo Pesala, Be'ala, Pesala, Mipne Shevieladznut, Vechen Ailonit Shechalzu La Achin, Lo Psalua. On continue à parler du sujet de la Mishnah précédente, le Saris, l'homme castré, en parlant comme nous dit le Bartanoura du Saris Rama, celui qui est né castré. Il est né sans appareil de reproduction, qui ne fonctionnait pas. Lui, on a expliqué que lo choletz velo mayabem, il ne peut ni faire la chalitza, ni faire le yiboum. Il est exclu de la paracha, parce que la Torah elle nous a dit qu'il faut faire le hiboum, livnot et betachiv, kachaya selech et charlo livnet betachiv, il faut construire la maison de son frère. Or lui, il n'a rien à construire, il a le tracteur qui ne marche pas. D'accord? Asaris, lo cholet velo meyabem, il peut ni faire la, donc il exclut complètement de la paracha, lo, il peut ni faire la chalitza, ni le hiboum. Idem aussi, vechen ailonit, lo choletzet velo mityabemet. Idem pour la ailonite. Ailonite, c'est la même chose chez les femmes qui a l'appareil génital qui ne marche pas, qui n'est pas développé. Ailonite, on a déjà traduit, on avait déjà vu que ça s'appelait, je vous ai expliqué le problème avec les androgynes, qu'il y a une femme qui développe en fait des traits relativement d'hommes. Son corps ne se développe pas comme une femme classique. Elle a une grosse voix, elle a une tendance à avoir des poils de la barbe, elle a toutes sortes de simanim qui ressemblent un peu à un homme, son corps ne se développe pas comme il faut. Et en fait, c'est un problème génétique, quoi, la pauvre. Ça s'appelle une ailonite. Et cette femme-là, si son frère, Réhouven, il s'est marié avec une femme comme ça, ailonite, et Réhouven décède, eh bien, son frère Shimon ne pourra pas, ne devra pas faire la misa de Iboum. Lo choletzet velo mityabemet, ni faire la misa de choletzet, ni faire la misa de Iboum. Parce que la Torah, elle nous a dit que velo imache shmo. Il ne faudra pas que son nom soit effacé d'Israël. Or, celui qui était marié avec cette femme, de toute façon, son nom il est effacé, il ne pouvait pas donner naissance de progéniture. D'accord? De ce fait, Asaris, Shechalat, Levimto, Lof et Salah. Imaginez maintenant qu'il y avait Reuven et Shimon. Shimon, c'est un Saris, il est castré de naissance. Et il a une femme qui tombe devant lui en hiboum. Et il lui fait quand même la Khalitza. Lof et Salah, il ne l'a même pas invalidé. Une femme qui a fait la chalitza, elle peut plus se marier avec un Kohen, parce qu'elle s'appelle maintenant comme une groucha, groucha vechaloussa, ça va ensemble. Alors quand une veuve, elle avait le droit de se marier avec le Kohen, mais une divorcée ou une femme qui a fait la chalitza, elle ne peut pas se marier avec le Kohen. La Mishnah vient et m'enseigne maintenant, sache que une femme qui a un saris qui a fait la chalitza à une femme pareille, il n'a rien fait, parce qu'il n'y a aucune nécessité de la faire. C'est comme si que vous prenez n'importe quelle jeune fille, vous lui faites la chalitza et vous n'avez aucun rapport avec elle. Vous faites la chalitza, elle ne devient pas une chalitza. D'accord, logique. Be'ala, psala. Si toutefois, il est le saris, il a quand même voulu faire la mitzvah, mais cette fois-ci pas chalitza. Il a voulu faire la mitzvah de hiboum. Be'ala, il a rendu invalide au Kohanim, parce qu'il a rendu zona. Ipnechei be'ladznout, c'est une be'ladznout. Il n'avait pas de mitzvah de hiboum à faire avec elle. S'il est parti avec elle, il est tout simplement, il a transgressé un interdit d'inceste en allant avec sa belle-sœur. Inversement, aussi. Vechen ailonit, idem pour la ailonit. Shechaltsula achin. Que ses frères lui ont fait la chalitza. C'est les frères du défunt. Elle était mariée avec un défunt. Avec un homme. Elle était mariée avec un être vivant, qui est ensuite mort. Et c'est ensuite, ses frères lui ont fait la chalitza. L'opsaloua, ils l'ont pas rendu. Ils l'ont pas invalidé pour aller sur l'un avec un Kohen. Par contre, Be'aluha, s'ils l'ont. Ils ont quelqu'un qui a eu un rapport avec elle, psaloua, ils l'auront rendu invalide. Ils l'auront invalidé pour les Kohanim, parce que Mipne, chez Be'ilata, Be'ilaznout. Parce que de nouveau, ils ont eu un rapport d'inceste avec elle. C'était une Beladznout qui va la rendre zona interdite à se marier avec les Kohanim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.